Après bien d'autres planètes dans l'univers, la Terre s'élève à la quatrième densité. Mais elle ne le fera pas seule. Ferez-vous partie de cette humanité qui choisira de l'accompagner en conscience? Le 21 décembre 2012 ouvrait le passage vers une ascension planétaire à travers un immense déversement d'énergie de lumière cosmique. L'axe polaire de la Terre se réalignait alors avec le centre de notre galaxie. Le 21 décembre 2021, nous voici à la fin d'un cycle de 9 ans pour vivre à nouveau une augmentation de fréquence vibratoire. Face à des agressions virologiques et biochimiques, l'ADN de l'humanité se dégrade progressivement. Mais des intelligences non humaines, agents exogènes bienveillants, veillent et peuvent ralentir et même inverser ce processus de dégradation si l'humanité le demande collectivement. Quels sont les principes de vie qui régissent la vie en 4D? Donald Walsh, dans son troisième tome de Conversation avec Dieu, nous décrit ces 16 principes, dont vous pouvez prendre connaissance sur le site YouTube United Universe Indiana. La loi 1 en fait également partie. Cher co-créateur, voulez-vous préparer ce nouveau monde et vous y engager avec forte intention? Les solstices et les équinoxes sont toujours dans l'année des moments d'énergie plus intenses.
Saisissons cette occasion pour nous retrouver en groupe afin d'unir nos fréquences et œuvrer ensemble. Beaucoup de familles vont fêter Noël et fêter ainsi l'abondance par le don de cadeaux. Alors osons faire briller encore plus notre lumière en nous offrant les présents des rois mages. L'or pour la lumière condensée, l'encens pour notre lien à notre esprit tout-puissant, et la myrrhe pour ses parfums célébrant l'amour, la beauté et la santé. Participez à cette formidable aventure vibratoire. Le temps de la puissance de l'amour et de l'unité est